les travailleurs, dans mon monde meilleur, même si ma mère ne veut pas nous emmener là. On est là, on est là, même si ma mère ne veut pas nous emmener là. Je vais me mettre au resto là, tu vois. Ils sont où les... La testostérone, là, ça a du Tiens, démocratie, bande de connards. Bande de connards avec ta matraque. Moi j'ai une grippe, toi t'as une matraque. C'est un petit visite de connard. C'est pas là, hein, c'est sûr. Démocratie. Liberté! 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 La police avec nous! La police avec nous! Bravo les gars! Bravo! C'est bien! Ça élève votre image auprès des gens, c'est bien! Bravo! Mais oui, on a besoin d'une police, mais pas d'une police comme ça. Une police qui nous protège, pas une police qui nous arrête et qui nous tape dessus pour rien. Mais oui, regarde vite, c'est ça le chose que vous allez faire. Regarde vite. Sois pas triste, mais arrête tes conneries, quoi. Voilà, c'est bon. Qu'est-ce qu'ils vont dire vos enfants plus tard? C'est vous qui aurez à vous expliquer à vous que vous avez vos enfants. Dors bien la nuit. Dors bien la nuit. Change mes pieds. C'est payé par ce Mais ça, ce sera plus compliqué. Mais t'es pas au courant de ça. Il y a juste un en boulot. Parce qu'il n'y aura pas cette autorité quand vos enfants vous comprennent. Quand t'as une matraque. Moi j'ai une bite et un cerveau. Il n'y aura pas l'autorité de l'asile. Amène à la maison, dans ton cerveau, si t'en as un. Hein? Lacrymogène, matraque, grande gueule. En civil, toi et moi, je suis deuxième dame. Je suis deuxième dame. J'ai pas peur de toi. En civil, toi et moi, mon ami. Chaud patate. Chaud patate. Là, j'ai rien à faire. Parce que t'es juste en uniforme ou t'as une grande gueule. J'ai rien à faire contre toi. Tu me donnes un coup comme en France. Mais quoi, t'as l'âge de mon gosse. T'as l'âge de mon fils. Pourquoi tu regardes comme ça? Parce que t'as bouclé une matraque. Mon ami, la fête. C'est honteux. Tu devrais pas être fier de ça. Tu devrais pas être fier. On est fier quand on a de l'honneur et quand on est un homme. D'accord? Moi je suis face à toi. J'ai rien de mes mains. Rien. J'ai que la parole. Moi je te respecte. On a besoin de la police. Ah, et là on laisse passer. Hein. Ils font ça, après ils font ça. L'entraînement de journée, c'est ça?
défend la police, elle dit vous parlez mal à la police. Je sors. Même bois de la cambre, je vous vois de la bois de la cambre. Vous avez foutu la merde. Vous avez foutu la merde. On était en première ligne. Vous avez foutu la merde au bois de la cambre, pas les jeunes. Vous avez une matraque, acrymogène, casque, en civil, toi et moi. Mais je te baise en ton cul. Mais là, non, je peux plus rester poli. Je suis poli, mais à un moment donné, ça m'exaspère. Sans toute cette tenue que nous, on a payée avec les contributions, en civil, toi et moi, mon ami, ça fait 15 ans que je fais du Yosekan. Je suis troisième dan, je suis professeur. C'est pas pour me vanter, mais quand tu veux en civil. Je pense pas que c'est pour ça. Quand tu veux, et sans armes, et toi avec ta matraque. Je t'emmerde. Pardon, tu peux me parler parce que j'ai resté si tu m'as dit oui. Oui, vas-y, donc parle-moi de. Ce dessin a été fait par Bob's Cartoon, c'est un cartooniste hors pair. Les dessins qu'il fait, ils sont basés sur ce qui se passe réellement dans le monde. Ça, c'est une image parfaite de ce qu'on voit à côté de nous. En ce moment, il n'y a plus de démocratie. Oui. On vient d'or pour nos enfants, pour leur liberté et pour l'avenir. Eux, ils sont normalement là pour protéger le peuple. Et oui. C'est pas ce qu'ils font. C'est ça, ils frappent le peuple. Non. Merci. S'il vous plaît. Thank you.
C'est pas du tout juste, il n'y a plus de la démocratie. Hein. On était tous en paix, on était occupés à parler, on était tous en paix. Et d'un coup, il n'y avait plus de policiers que des manifestants. C'est pas sérieux ce conflit. C'est pas sérieux du tout. Elle a été en paix, on peut seulement s'exprimer, qu'on n'est pas d'accord, qu'on perd toutes nos libertés. C'est pas sérieux tout ce qui se passe. C'est fini notre démocratie. Hein. Il y avait plus de policiers que des manifestants. Oui. Ils nous font peur. Oui, ça fait peur. Oui, ça fait peur. C'est pas normal. Merci beaucoup. Un peu de ce qui se passe là. Eh ben, moi, je suis profondément choquée. Hein. Franchement, c'est la première fois que je me fais nasser comme ça par des policiers. J'ai profondément honte la police parce que j'ai toujours eu beaucoup de respect pour la police, vraiment. J'ai toujours essayé de les défendre et j'ai toujours essayé de trouver une raison pour laquelle ils agissaient de cette façon. Mais là, aujourd'hui, c'était vraiment inacceptable. Et c'est pour ça que j'ai eu à cœur de les regarder chacun, les uns après les autres, dans les yeux. Et je leur ai dit, vous devriez avoir honte de vous. Et la plupart ont baissé les yeux parce qu'ils ne voulaient pas me regarder. Je suis fonctionnaire, j'ai honte de mes collègues fonctionnaires. Un fonctionnaire, il est censé servir son pays, mais pas accomplir des ordres manifestement illégaux. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est illégal. Des gens pacifiques qui n'avaient fait aucun trouble à l'ordre public. Et oui. Et aujourd'hui, ces gens-là qui viennent pacifiquement revendiquer pour les libertés, pour nos enfants et les leurs, qu'est-ce qu'on leur fait à ces gens-là? On les nasse, on les traite comme des sous-citoyens, comme des criminels, alors que les véritables criminels courent dans les rues. Voilà ce qui se passe aujourd'hui, à Bruxelles, mais pas qu'à Bruxelles, dans toute l'Europe. Et en France également, à cause de politiciens corrompus qui sont en conflit d'intérêts avec des laboratoires pour des milliards d'euros. Merci beaucoup. Alors, redis-le, parce que moi, j'étais troublée par... Il est temps qu'on parte de là, parce qu'on n'est pas loin de certaines écoles d'apprentissage, et il y a beaucoup de profits aussi au niveau de ces manifestations, où les jeunes vont venir faire des casses, donc il faut partir. Merci beaucoup. Mais non, il s'est enroulé. Mais moi, j'étais malade. Restrictions sanitaires notamment. L'idée de Bruxelles, c'est évidemment de s'approcher un maximum des institutions européennes et de la Commission européenne notamment. D'autres personnes devraient rallier Strasbourg également pour se rendre autour du Parlement et interpeller les eurodéputés notamment sur ces restrictions sanitaires en place depuis le début de la crise sanitaire, considérées comme liberticides ici au sein du cortège. Faut virer tous ces psychopathes. Tu peux me dire pourquoi tu es ici aujourd'hui? Ah, pour la liberté, bien sûr. Et comment tu as été accueillie par la police? S'il vous plaît. Comment tu as été accueillie par la police? Moi, je suis belge. Oui, mais donc, comment tu as été accueillie par la police? Bah, pour le moment, ça va, tout va bien. En restant confiant. Je suis peut-être pas à jour aujourd'hui, hein, j'ai pas regardé les dernières. C'est des handicaps permanents qu'ils ont. Il y a des enfants dans ce lot-là, dans tous ces morts que je vous cite. Il y a des enfants, bordel. Des enfants qui grandissent, qui sont protégés normalement par les droits de l'enfant. Aujourd'hui, un enfant ne peut plus grandir normalement. Il n'a plus le choix pour sa santé, tout comme nous. Et on est discriminé sur quoi? Sur notre état de santé. Bordel, on est en Europe. On est censé être en démocratie, d'accord? On est censé vivre libre. Et là, on est victime de lois liberticides. Et dites-vous que sinon, on est là? C'est clairement, on est des citoyens qui étaient nous étions insérés dans la société. Nous accomplissions et nous accomplissons encore nos devoirs. Et on nous enlève nos droits. C'est pour ça que vous avez des milliers de personnes dans les rues, dans tous les pays et aujourd'hui à Bruxelles. Et on continuera, on ne se laissera pas intimider. C'est une fierté justement d'avoir atteint ça à Bruxelles, on imagine, pour vous aujourd'hui. On trouve ça incroyable, la solidarité, le cœur. C'est le fil, c'est cette lumière de la vérité qui s'est diffusée. C'est ce fil entre tous les êtres humains qu'on ne voyait pas avant. Et aujourd'hui, quand on était dans la nasse, on entendait solidarité, liberté, des gens qui nous encourageaient, qui nous soutenaient. De l'autre côté, des policiers qui déshonoraient leur uniforme et leur métier. Des policiers qui finalement laissent des criminels dehors, alors que nous, les gens innocents, les victimes finalement, on nous laisse à l'intérieur de la nasse.
Et aujourd'hui, le gouvernement trouve ça logique. Donc on doit continuer à se battre et clairement, on est des milliers et des milliers. Et s'il faut continuer, on continuera. Ça fait 7 mois en France qu'on est dans les rues. Il pleut, il neige, il vente. Les gens, ils sont tous dans les rues. Ils arrivent, ils sont à la ville, tout à l'heure. On se connaît tous, on est une communauté tellement énorme. C'est la plus grande erreur qu'ils ont fait ces politiques. Vous avez fait cette grande erreur, vous nous avez réunis. Et aujourd'hui, on est éveillés. On est des êtres qui ont une intelligence collective, qui allons le diffuser aux autres, qui le faisons de plus en plus au fur et à mesure des mois. Le temps est notre allié, la vérité est notre allié, et la lumière est en train de triompher. Alors ne perdez pas, je vous dis, je regarde la caméra, ne perdez pas espoir, ne perdez pas confiance. On est là, on peut vous le dire, on est des milliers, des millions même, hein, dans tous les pays. Il faut continuer à se battre, on ne peut pas lâcher comme ça, c'est pour nos enfants. Merci beaucoup, merci. Merci. Merci, merci. Merci. Voilà, Kim, regardez Kim. Oui, dis-moi, William. Voilà, merci. Mais je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Qui les ont pas allés, mais tout le monde part. Alors, vous avez la qu'est-ce qu'on fait? Non, par contre, on attend les autres qui doivent avoir. Résistance, 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 rés